Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer une nouvelle police d'écriture sur Windows 10. Pour ce faire, vous allez sur Internet, puis vous allez sur un site de téléchargement de police d'écriture, par exemple dafont.com. Sur le site, vous téléchargez votre meilleure police d'écriture, donc on va prendre la première. Puis vous venez la récupérer et la mettre par exemple sur le bureau. À ce moment-là, vous avez juste à extraire votre police d'écriture. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à regarder la vidéo dont le lien est en description. Puis ensuite, vous double-cliquez sur le fichier .otf. Pour vérifier l'extension, vous faites un clic droit propriété sur le fichier et vous voyez que c'est ici .otf. Et lorsqu'on double-clique dessus, vous cliquez ensuite sur installer et votre police est maintenant installée. Pour pouvoir l'utiliser, vous ouvrez un éditeur de texte, par exemple Word. Puis vous venez choisir votre nouvelle police d'écriture et vous voyez que ça marche très bien. Si ça ne fonctionne pas, je vous invite à redémarrer votre ordinateur et à refaire la manip. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire et à vous abonner pour plus de tutos et astuces en une minute.